En France, aujourd'hui, on a 35 millions de logements pour 67 millions d'habitants. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, on avait 25 millions de logements pour 57 millions d'habitants. En gros, le rapport il est très simple. En 30 ans, on a gagné 10 millions d'habitants en France et on a gagné 10 millions de logements. Ça pose énormément de questions, puisque ces logements, vous vous doutez bien, ils ne se sont pas tous construits en cœur de bourg. Et on a connu une vraie métamorphose de notre tissu urbain. Notre rôle en tant que CAUE, c'est de poser des questions, de poser les bonnes questions si possible, auprès des collectivités comme auprès des particuliers. Et la bonne question, ce n'est pas toujours comment faire mieux, différemment ailleurs. C'est aussi parfois tout simplement de savoir faire mieux dans le déjà-là, dans l'existant. Pourquoi ? Parce que l'existant, il raconte une histoire. On l'a vu au travers des deux précédents rendez-vous du CAUE consacré aux maisons anciennes. Ça raconte l'histoire intime, ça raconte l'histoire d'une famille, évidemment, tous ceux qui ont vécu dans cette bâtisse au fur et à mesure des générations. Mais ça raconte aussi l'histoire d'un bourg, d'un centre-ville, l'histoire d'une expansion urbaine, l'histoire des caractéristiques sociales, politiques, économiques, écologiques d'un lieu. Et puis, ça raconte tout simplement l'histoire avec un grand H, c'est l'évolution de notre cadre de vie à tous, au quotidien, à nos ancêtres, et à nos enfants, petits-enfants, et advienne que pourra. Et ce qui se passe, je vais être un petit peu caricatural sur ce que je veux dire là, mais en gros, depuis les années 60, on a connu, c'est l'exode rural, on quitte nos bâtisses de campagne pour se rapprocher des centres-bourgs ou des villes. Et puis, dans les années 80, c'est les difficultés du foncier, l'évolution du foncier qu'on connaît grandissant. Et là, on va plutôt chercher à se rapprocher de la ville, mais plus forcément à y entrer dans son cœur le plus profond. On va venir en périphérie, tout simplement parce que nos centres-bourgs sont déjà denses, sont déjà riches, sont déjà chers. Et donc, on va plutôt privilégier ces constructions périphériques qu'on connaît tous. C'est le fameux paysage qu'on côtoie au quotidien. Parce qu'on veut plus grand, parce qu'on veut plus adapté à un rythme de vie, parce qu'on veut cultiver ses carottes, ses poireaux au fond du jardin et que beaucoup considèrent qu'on ne peut pas le faire en ville, ce qui n'est pas toujours vrai. Et puis, on a des évolutions du mode de vie, évidemment. Nos couples ne sont plus les mêmes que ceux d'il y a 30 ans, nos familles évoluent différemment, nos modes de vie, tout simplement, évoluent différemment. On travaille à la maison maintenant, beaucoup. On souhaite recevoir, on souhaite plus de pièces, peut-être, que ce qui était voulu à l'époque. Alors, on recommence à penser différemment la maison. On revient finalement au précepte de ces maisons qui se construisaient petit à petit et qui venaient s'agrémenter de multiples plugs, de multiples éléments qui venaient la composer et l'enrichir. Et puis, cette prise de conscience, elle est liée aussi à autre chose. Un petit chiffre comme ça, toutes les secondes en France, il y a 25 mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent. Vous imaginez ce qui a déjà disparu depuis que j'ai pris la parole, alors que j'avais dit que je ne prenais pas beaucoup de temps. Concrètement, c'est énorme. Et ça, la population, l'ensemble des collectivités, des puissances publiques, comme des citoyens, commencent à l'intégrer et à se rendre compte que faire avec ce qu'il y a déjà, c'est peut-être la solution. Aujourd'hui, ces nouvelles réflexions, elles transpirent dans l'architecture, évidemment, et on voit apparaître ces fameuses extensions, ces fameuses surélévations de l'habitat existant. Nous, en tant que conseil aux particuliers, au CAUE, on le voit, c'est un tiers de nos rencontres, de nos conseils. Ce sont ces gens qui viennent avant tout pour améliorer leur habitat. Alors, par améliorer, je parle d'extension, évidemment, agrandir, de surélever, c'est-à-dire monter plus haut, et puis restructurer. Parce que bon nombre de rendez-vous qu'on reçoit, ce sont des gens qui viennent avant tout pour une petite extension de 10-15 mètres carrés et qui repartent avec une simple restructuration, qui n'est peut-être pas si simple d'ailleurs, mais de leur habitat, puisque l'espace, l'intelligence de l'espace, c'est pas forcément plus d'espace, c'est mieux l'espace. Et ça, c'est important que tout le monde le prenne en considération. Ces extensions, ces réhabilitations, ces restructurations, elles posent des questions qui nous sont chères au CAUE. C'est comment intervenir sur cette architecture domestique, cette architecture du quotidien que vous côtoyez tous. Je pense qu'on passe pas une journée sans fréquenter de près ou de loin un habitat individuel, que ce soit le nôtre ou celui qui compose le paysage. Et comment on intervient sur cet existant tout en respectant le déjà-là, tout en le comprenant, parce que pour le respecter, il faut le comprendre, et il y a comme ça qu'on arrivera à le magnifier par une intervention architecturale. Comment on fait dialoguer cet existant et ce quotidien? Petite note aussi, en France, sur le nombre de constructions neuves et de réhabilitation qu'il y a chaque année, il y en a 5% qui sont pensés,
qui sont imaginés, qui sont réfléchis par des architectes. 5% par des architectes, ça veut dire 95% par d'autres personnes. Et imaginez bien que ces autres personnes, elles sont en train de créer le cadre de vie de demain, le cadre de vie qu'on va laisser à nos gamins. Donc, c'est une réflexion évidemment à prendre en compte, mais la banalité et le stéréotype ne nous font pas peur, ce n'est pas une fatalité, et les trois agences qui sont là ce soir vont justement nous montrer à quel point on peut réfléchir l'espace et respecter l'existant. La règle va être simple, chaque agence aura 20 minutes d'intervention pour présenter un ou deux projets. Vous aurez un temps d'échange avec eux à la fin de leur passage, à la fin du passage des trois agences. Et on les remercie déjà d'être présents ce soir et de nous avoir accordé un peu de temps pour venir vous présenter leur projet. On va commencer par la première agence, donc c'est l'agence Tact Architecture. Je vais vous inviter à monter sur scène. Je vais en profiter pour vous présenter rapidement. Donc on a Mathieu Germont et Maël Tessier qui sont présents ce soir. L'agence Tact, elle existe depuis 2012. Mathieu Germont et Maël Tessier, ce sont déjà des vieux de la vieille puisqu'ils étaient lauréats de la sélection JAPL 2011, si je ne dis pas de bêtises, avec le collectif De Facto. Et vous intervenez sur différents projets, notamment de la maison individuelle, beaucoup la maison individuelle d'ailleurs, pas mal de projets aussi de logements collectifs ou de groupements de logements. Je cite évidemment le projet de Mouffe sur Loire, le projet de la résidence du Verger, qui avait valu le prix d'architecture au dernier prix aperçu, donc le prix départemental d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement de Loire-Atlantique, et qui était finaliste de l'écart d'argent, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va, c'est déjà pas mal. Et puis vous testez, vous expérimentez pas mal. Je cite évidemment le projet Paysage Glissé, donc qui est le fameux toboggan que tout le monde connaît maintenant sur le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Ils vont nous présenter ce soir la Maison T, livrée en 2016, un projet de réhabilitation, extension d'une maison en cœur de ville. Je ne prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne soirée.